A November morning on the Normandy Highway. Stephanie Dell, communication officer at Sodatrel, a branch of French number one electricity supplier specialized in electric mobility, is at the wheel of her Nissan Leaf, heading for the Rosny-sur-Seine rest stop. And what she is about to show us today may change the everyday lives of electric vehicle owners. Alors derrière moi, il y a une borne de recharge rapide pour véhicules électriques. C'est une borne qui s'adapte à tous les standards qui existent sur le marché. Et c'est une borne qui recharge donc tous les véhicules électriques de tous les constructeurs. On a environ 70 bornes installées aujourd'hui et à terme, on en aura 200 sur les grands axes autoroutiers. Tous les 80 km à peu près, ça permettra de pouvoir faire des parcours plus longs, se déplacer plus facilement sur le territoire, ça renforce le maillage et ça permet de ne plus avoir qu'un parcours périurbain, entre guillemets. Called Corridor, this project, co-financed by the European Commission, will help France become one of the most plugged-in countries in the world. Indeed, France has today nearly 10,000 charging points. About half of them belong to car sharing networks, a figure about to skyrocket within the next 5 years, partly thanks to an ambitious project undertaken by the French authorities, along with local communities. Les 50 millions d'euros qu'a mis l'ADEME sur la table, qui sont en cours d'opération, vont amener sur le terrain entre 20 000 et 30 000 points de charge nouveaux. Si vous rajoutez à ça les 16 000 points de charge de Bolloré, plus les autres initiatives du type Corridor de Sodetrel ou d'autres réseaux financés par l'Europe, c'est assurément entre 40 000 et 50 000 points de charge à minima qui seront déployés sur l'espace public en 2020. Infrastructure development has had a direct positive effect on EV adoption in the country. EVs now account for about 1% of new car sales in France, about the same as in the USA. However, infrastructure isn't the only thing encouraging EV use. Economics are also driving the switch to electric. This is particularly the case for vehicle fleets, which benefit from a tax exemption on their zero-emission cars. But individual EV owners also enjoy incentives. Tout acheteur de véhicules électriques bénéficie d'une aide à l'achat de 6 300 € qui vient en déduction de son prix d'achat. Et est venu se rajouter sur ce dispositif ce qu'on appelle, nous, le super bonus, qui vient rajouter 3 700 € si vous avez un vieux diesel et que vous mettez ce vieux diesel au rebut. Donc ça, ça va clairement stimuler le marché. So with a maximum deduction of 10,000 euros, the electric vehicle is now at a comparable price point to its conventional equivalent. And consumers have done the math. Since the beginning of 2015, EV sales in France have increased by 70%. That's three times faster than the European market. Thanks to this, the French electric vehicle fleet has reached 60,000 units, getting closer and closer to the global EV market share leaders of Norway and the Netherlands. C'est un marché qui est en voie de maturité. On envisage, par rapport aux usages que peut remplir le véhicule électrique, atteindre un marché de l'ordre de 5 à 10 %. Ça va représenter un chiffre de l'ordre de 200 000 véhicules. Et ce chiffre devrait être atteint entre 2020 et 2025. This is good news for the environment, especially since France has one of the lowest carbon energy grids in the world, with 92% of its electrical energy produced without carbon emissions.